J'aime pas trop les dimanches, moi. Parce que je trouve que c'est un jour où il y a plein de choses à faire. Et quand tu sais pas choisir, quand tu es indécis dans la vie, le choix, ça te tue, quoi. C'est pour ça, par exemple, moi, j'aime bien faire mes courses de fringues dans les Emmaüs. Parce que très souvent, il n'y a rien qui me convient. Et je ressors et je suis satisfait. Je me dis, tiens, j'ai rien acheté. Alors que quand je vais dans un magasin de fringues, il y a forcément des trucs qui me vont. Et tu sais, je me sens un peu obligé d'acheter. Et à la base, j'étais rentré dans le magasin, mais je voulais rien. C'est juste, j'étais rentré parce que parfois, faut acheter des fringues, mais j'aime pas le faire au final. Enfin, c'est bizarre comme motivation, mais c'est vrai, quoi. Je suis content quand j'achète rien. Boule de gomme et petit mystère, je me demande s'il y a de quoi faire une chanson. Du parfum d'Amsterdamère qui sortait de la pipe en terre du tonton. De mes bobos sur les coudes, du bruit de la machine à coudre dans le salon. Puis du gros chagrin surtout de ma petite frangine qui boude pour de bon. 22 euros le petit bouquet. Mais ça c'est récupéré sur des parterres hein, ou des ronds-points. Ça se voit. Les Parisiens, ils aiment bien les dimanches. On sent qu'il y a des quartiers où c'est des quartiers de dimanche. Tu sais pas s'il y a d'autres jours dans la semaine dans ce quartier-là. Par exemple, le 6e arrondissement, là, où je suis actuellement, c'est un quartier de dimanche. Les gens, ils sont bien. Ils brunchent élégamment. Ça, c'est l'élégance de brunch. Tiens, je me ferais bien le plateau de fruits de mer avec eux, là. Remarque, objectivement, je pourrais me dire, fais-toi ce plateau de fruits de mer s'il te fait envie. T'as joué hier soir, il y avait du monde dans la salle, fais-toi plaisir. Mais je sais pas faire ça, se faire plaisir tout seul. Je connais à peu près tout le monde sur cette affiche. Et ils me connaissent aussi, on n'est pas proches, mais j'espère qu'il est bien leur cuisine. J'ai l'impression que si je mange un crabe tout seul, il aura moins de goût, quoi. C'est là que tu te rends compte que le bonheur seul, c'est dur. Parce que dans le bonheur, il y a souvent aussi une forme de... Enfin, c'est forcément associé au partage, quoi. Et parfois, la démonstration, ça, c'est quand les gens, ils pensent que le bonheur, il est dans le matérialisme. Parce que ça montre et ça dit de toi. Et ça, c'est la grande connerie, quoi. Enfin, après, ça, c'est une intuition, quoi. Je voulais vous dire aussi, je profite de cette vidéo pour vous dire que je joue à Lille les 24 et 25 septembre, donc c'est dans pas longtemps. Et là, je suis en train d'organiser un festival avec ma mairie de naissance et tout dans les Deux-Sèvres, là, à Nueil-les-Aubiers, pas loin de Bressuire. Et là, on va faire un petit festival sur 2 jours. Ça va être un peu comme la tournée bretonne, mais chez nous dans les Deux-Sèvres, dans une salle. Et c'est à 2 et 3 octobre. Si vous habitez la région de Poitou-Charentes, Vendée, Maine-et-Loire, jusqu'à Nantes, c'est vraiment la commune qui va financer ça. Donc les places sont pas très chères et tout. C'est une belle initiative et j'espère que vous viendrez nombreux, quoi. Voilà. Et bien, du coup, bon dimanche à vous. J'espère que vous le passez bien. Moi, je vais aller manger un sandwich Sodebo et une part de tarte au citron à 50% que j'ai acheté au Carrefour City. Ça va vraiment être un grand moment. Eh bien, on est bien là.